qui sont toutes les deux cadettes première année. Et avec gros 57-77, ça risque d'être très serré dans cette course, en tout cas en série. C'est ce que nous laisse présager les chronos d'hier. La finale du 400 mètres cadette avec un départ rapide pour Lisa Blanc du Grand Angoulême Athlétisme. Lisa Blanc partie le plus rapidement, mais également à l'extérieur Léa Vierne et Lina Desmet qui sont parties très très rapidement en aveugle dans cette course. Félix Fekeri pour l'Entente Ouest Athlée 13 au couloir 3 bien parti. C'est très 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 disputé dans cette finale du 400 mètres cadette et à l'extérieur Lina Desmet et Léa Vierne qui sont toujours détachées et qui vont probablement déboucher en tête dans la dernière ligne droite. Ah, c'est ouvert hein. Lina Desmet, Gali Athletic Club à l'extérieur, la très grosse cote de cette finale. Léa Vierne, Entente Athlétique Ouest 13. Mais regardez le retour de Lisa Blanc à la bagarre avec Mado Blo. Lisa Blanc, Mado Blo et à la corde, Sephora Miat qui se... Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. La championne de France s'appelle Lisa Blanc. Elle porte le maillot du Grand Angoulême Athlétisme en 57-06. Et on va voir ce qui s'est passé sur les ralentis parce que Mado Blo a chuté littéralement.